vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez cool. Comme vous voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, en fait je suis par terre. Parce qu'aujourd'hui vous allez préparer ma valise avec moi. Voilà, parce que on est jeudi et en fait finalement je pars en vacances dimanche. Chose que je ne savais pas, c'est mes parents qui ont prévu ça au dernier moment. Donc je pars en vacances dimanche pendant une semaine. Ah, ça va faire tellement du bien. Et j'ai décidé que vous alliez préparer ma valise avec moi parce que ça peut être cool, sachant qu'il y en a qui vont souvent partir en vacances et que moi j'emmène quand même beaucoup de choses. Ça peut être intéressant pour savoir ce que j'emmène, enfin ça peut être cool à faire. Donc c'est parti. En fait elle est en... J'espère que vous verrez bien. Elle est en deux parties, donc là il y a une partie qui se ferme et une partie là qui s'attache. C'est hyper pratique parce que comme ça je peux mettre double connerie. Donc voilà, c'est super cool que ça soit comme ça. Elle est assez grande et en plus ici je peux l'agrandir pour mettre encore plus de choses. Donc c'est hyper cool. Donc on va préparer tout ça ensemble et c'est parti. Bon, du coup on se retrouve finalement à côté de mon lit, enfin ma valise est sur mon lit, parce que vous allez pas voir la valise mais vous allez voir mettre dedans et après je vous montrerai comment j'organise et tout. Et c'est beaucoup mieux que je vous parle en face, je trouve ça bizarre de vous parler derrière la caméra, ça me stresse. Donc du coup, déjà moi je mets dans des petites pochettes, par exemple les sous-vêtements etc, enfin je trouve ça hyper plus pratique, Bon du coup, tout ça c'est mes pochettes, oui j'en ai beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout, enfin, on va tout utiliser aussi peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est ma pochette. Ah oui, parce que attendez, j'ai 36 000 pochettes, mais j'ai des pochettes spécifiques. Ça c'est ma pochette pour tout ce qui est démaquillage, brosse à dents, coton, déo, enfin bref, voilà, je vous expliquerai ça après. Il m'en manque une, non? Yes! Il m'en manque une parce qu'elle est. Moi j'ai de mon compte, c'est ma préférée. Là c'est celle où je mets tout mon maquillage. Bon, peut-être pas en emmener non plus une tonne quoi. Ça va être la pochette pour mettre sous-vêtements, etc. Parce que elle est largement beaucoup plus grande que les autres. Voilà. Donc je pense que c'est celle-ci qu'on va utiliser. C'est quoi cette pochette? Par contre, vu qu'en fait j'emmène toujours 50 pochettes, même quand je bouge, etc., ou je vais chez des potes, et ben des fois dans des pochettes comme celle-là, il y a du dissolvant, de l'eau micellaire, enfin il y a vraiment de tout. Donc dans mes pochettes, il y a vraiment n'importe quoi. Donc après, il faut tout que je renlève. C'est pas vraiment cool. Bon. Donc celle-là, ça va être la pochette des sous-vêtements. Je vais pas vous faire voir hein, parce que, bon, pas besoin de vous montrer non plus. Hein, tout le monde a des sous-vêtements. Je vais plus vous faire voir les fringues, etc. que j'en ai. Tu m'as promis le paradis, j'aurais payé n'importe quel prix. J'avoue pour toi, je refais des folies, j'avais piloté sans cash. Paradis, j'aurais payé n'importe quel prix. J'avoue pour toi, je refais des folies, j'avais piloté sans cash. Paradis, tous mes potes peuvent en témoigner. Bon, déjà, ce qui est sûr à 100%, déjà, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est mon haut des vacances. Quand on a tous un haut spécial vacances. Moi, c'est ce petit croc top blanc. Non, mais je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai. Je l'adore. Genre, derrière, il est comme ça. Bon, j'avoue qu'à force, il est un peu abîmé, quoi. Mais j'arrive pas à en retrouver un autre comme ça qui est bien, qui est confortable et. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à en retrouver un. Voilà, un petit crop top blanc. Et si je l'aime trop, je le mets absolument avec tout, quoi. Il est trop mignon. Il a une tache, c'est une blague. Ouais, faut vraiment que je m'en rachète un comme ça. Il devient un petit peu mort de chez mort. Mais ça, c'est mon t-shirt de vacances, quoi. Enfin, je suis obligée de l'emmener. Je le mets absolument tout le temps. Ensuite, un que je vais emmener, c'est sûr, c'est ce petit... débardeur jaune,
Donc là qui a des lacets, enfin ici, il est trop canon. Je l'aime beaucoup trop celui-là. Donc lui, obligé je l'emmène. Donc ça en fait deux. Ensuite, lui franchement ça peut vraiment pas plaire à tout le monde celui-là, ça j'en suis bien d'accord. Mais alors moi j'adore. Faut que je regarde si j'ai pris quelque chose pour mettre avec. Mais en fait c'est un petit haut comme ça. Voilà. Et en fait ici il est tout en dentelle. Donc à peu près jusqu'à un petit peu plus haut du nombril. Mais moi j'adore. Enfin, si vous mettez soit une brassière noire, moi je mets en dessous, ou un soutien-gorge noir, ça fait super canon. Donc je pense que je vais l'emmener parce qu'il fait super classe, il est super joli. Donc celui-là je pense, mais je sais pas. Mais je pense. Pense, Laurine. Bon, après 20 minutes à m'être décidé, je vais vous montrer ce que je prends du coup. Alors, je prends mon petit t-shirt jaune. Voilà. Attendez, en même temps, je plie. J'essaye en tout cas. Attendez, j'ai plié à l'envers. Voilà, donc mon petit t-shirt jaune. Celui-là. Voilà. Ensuite, celui-là. J'espère que quand je vous ai fait voir les vêtements, vous étiez en mode oh, j'espère qu'elle va prendre celui-là. Et que quand je vous montre celui-là, j'espère que vous dites oh ouais, trop bien. Sinon, si vous n'avez pas choisi ce que vous vouliez, dommage. Après, je prends celui-là. Parce que lui, il est vraiment trop beau. Et je suis obligée de le prendre. Trop obligée. Ensuite, je prends celui-là. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas porté. Donc, au moins, il va servir à quelque chose. Après, bon, bah, celui-là, obligé, quoi, je vous l'ai dit. Mon petit débardeur jaune. Ensuite, celui-là, hein, obligé. Et pour finir, mon petit débardeur orange. Maintenant, niveau pantalon. Déjà, il y en a un. Je sais déjà que l'on met. C'est celui-là. Donc, oula. C'est mon pantalon orange avec les pattes comme ça là. Voilà. Que je vous ai fait voir dans mes tenues soirée d'été. Et qu'est-ce qu'on est confortable. Et il est trop trop bien, je l'aime trop. En plus, avec les hauts que j'ai pris, enfin, je peux vraiment le porter avec n'importe quoi. Et ça, c'était sûr, de toute façon, que j'allais le prendre. Tes soucis des pantalons. Enfin non, celui-là c'est sûr je le prends. Ça c'est mon jean préféré. Il a des petits trous hein, ici. Déjà il est trop beau, je suis trop confortable dedans. Donc lui, obligé, faut pas que j'oublie une ceinture. Ça c'est ce pantalon là, c'est un pantalon, je sais pas si vous connaissez les pantalons un peu carottes. Mais il est hyper resserré à la taille. Il y a des petits lacets. Et voilà, il est assez cintré. Et je pense que je vais l'enlever parce qu'il est trop... Enfin, je suis bien dedans, il est cool, quoi. Il est normal. Mais attendez. Plier un pantalon. C'est toute une histoire pour moi. J'ai du mal à plier les pantalons. Les hauts, il n'y a pas de souci. Les pantalons. Donc ça, on fait déjà 2, 3. Je vais prendre celui-là, donc qui est resserré aussi à la taille. Et sur le côté, il y a des bandes blanches et noires. Je l'avais mis aussi dans mes tenues une soirée d'été. J'adore celui-là. Ils sont de chez Jennifer si ça vous intéresse. Et je sais qu'ils en ont fait des nouveaux en plus. Pour ça, je les veux trop. Donc ça fait 4. Nouveau problème. Les jupes, les shorts, les... Par contre, sachez une chose. C'est que, genre, un short là, je vais en avoir un seul parce que j'aime pas ça. Je préfère largement les jupes, les robes. Enfin, attendez, je sors tout. Et ce short vert. Kaki. Putain, voilà. Ouais, j'ai ce short vert kaki. Je pense que je vais le prendre quand même. Bon, alors du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ma petite jupe en cuir. En simili-cuir.
marron. Attendez, je suis en train de la plier. Hop. J'ai pris du coup ma robe longue blanche. Parce que pour le soir ou je sais pas quoi. Vous savez, ça peut servir une petite robe comme ça. On est à l'aise. Et après, j'ai pris le short vert. Donc, bon, bah, ça, je vous l'ai fait voir. Donc, pile dans la valise là. Et je vais rajouter. Je l'avais oublié, non mais je pouvais pas partir sans elle. Je serais partie sans elle. Oh, mon dieu. Ma belle petite robe bleue comme ça. Je l'aime trop, elle est trop magnifique. Donc voilà, je suis obligée de partir avec. Elle est trop belle. Ça fait exactement 1h30 que je suis en train de tourner en même temps que je prépare. Je suis trop chiante, je mets 40 ans. Moi ensuite, une petite ceinture qu'il faut pas oublier. Et ben, on est bien là. Un pyjama, bien sûr, bien évidemment. Ah, des vestes aussi. Les gars, des vestes, c'est hyper important. Faut pas que j'oublie ça. Pyjama, bah je pense qu'on a trouvé. Jogging rose. Comme ceci. Avec un haut blanc. Voilà, on peut pas faire plus basique. Ça, c'est la base. Il faut être à l'aise. Un jogging rose. Ça fait l'affaire. Haut blanc, par contre, je vais revoir. Je regarde si je prends un autre haut. Enfin, si des hauts qui servent à rien. Est-ce que vous êtes comme moi, genre des pyjamas? Moi, j'aime bien prendre des trucs, genre des jogging, des... Pas des pyjamas. Je n'ai pas le bordel que c'est dans ma chambre, là, vu que je mets des fringues partout. Du coup, on prend le jogging rose. Et attendez... Je vais prendre un short aussi pour dormir, avec un petit haut. Attendez. Je plie ce jogging. Voilà. Donc un petit shirt Freegun. Et mais il est où le haut? Bah, je l'avais il y a 2 secondes. Ah oui, là. Un petit débardeur comme ça en dentelle derrière. Bref, on s'en fiche. C'est pour dormir. Hein, donc, et voilà, un autre petit débardeur blanc pour dormir. Bien, donc déjà sûr, je prends mon kimono parce que mon kimono j'aime trop le prendre et puis parce que ça fait bien m'habiller et tout. Mais même si des vestes, franchement, j'ai vu qu'il a l'air de faire beau. Je sais toujours pas quelle tenue je prends pour partir. Hein. Merde, je me suis aperçue que j'ai oublié quelque chose de très important. Et je pense qu'il y en a qui vont se dire ce que c'est. Ce sont les maillots de bain. Voilà. J'ai totalement oublié. Donc, c'est le bas vert comme ça avec un haut bustier. Donc ça fera l'affaire les deux parce que j'ai pas le haut de celui-là. Et je veux trop le mettre. Je vous refais voir le jaune parce que je sais pas si vous avez bien vu, mais... Ça fait ici un effet un peu soutien-gorge. Et celui-là, le jaune, il vient de chez Kiabi. Et je le trouve juste magnifique, quoi. Enfin, il est trop beau, donc c'est une pièce, celui-là. Et les autres, ils doivent devenir de chez Kiabi aussi, il me semble. Donc, dans cette première trousse, qu'est-ce qu'il y a? Bah, dans cette première trousse, c'est... Tout ce qui est shampoing, gel douche, vous voyez, ça c'est des shampoings, shampoing sec, là c'est pour les cheveux, c'est un soin hydratant, et après encore un shampoing et des cotons, voilà, tout ce qu'il y a dans celle-là, parce que c'est pour le soir, et là je vais rajouter des produits... solaire pour mes cheveux. Pour l'autre produit, c'est justement un protecteur de chaleur, donc de chez L'Oréal, qui est juste trop bien. Je vous conseille pour l'été parce que les cheveux sont sensibles. Et après un petit shampoing de chez Baptiste, un shampoing sec, donc en miniature. Donc voilà. Hello tout le monde, là on est le deuxième jour, donc le lendemain quand j'ai tourné hier parce que je pouvais pas finir tout hier. Je vais finir la vidéo là, et là je suis démaquillée, donc faites pas attention à ma tête.
pour finir cette valise, parce qu'il faut bien qu'on la finisse un jour. Donc ça c'est ma grande pochette, je vais vraiment pas vous faire voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que, enfin, mon maquillage, si vous voulez une vidéo spéciale de tout ce que j'ai, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, mais ça sert à rien, enfin c'est, là-dedans c'est ma pochette, donc maquillage, fond de teint, palette, etc. Oui je sais, elle paraît super énorme, c'est parce qu'en fait, bah demain on est samedi et j'ai un anniversaire, et donc du coup je pars dimanche, donc faut vraiment que j'ai tout dedans, donc oui il y a des trucs qui me serviront à rien, mais j'en ai besoin demain. Là-dedans c'est où il y a mes pinceaux, blender, enfin voilà, là-dedans il y a tout ça. Donc on va mettre ça dans la valise. Là je me suis aperçue qu'en fait il faut que j'aille chercher des serviettes parce que je viens de me rendre compte que j'en avais pas. Et après les maillots de bain c'est les serviettes. Donc je vais faire ça, faut bien que je regarde parce que moi je suis Miss. Je suis organisée mais il faut que j'oublie, enfin j'ai l'impression que j'oublie toujours quelque chose, je pense que vous aussi. Mais du coup ça me stresse, là faut que je mette mes chaussures aussi dedans, parce que si je pars sans chaussures il va y avoir un problème. Parce que demain j'aurai sur moi des talons, je vais pas emmener des talons en vacances. Donc voilà, faut que je regarde et de toute façon je vous emmène avec moi. Donc je vais prendre mes espadrilles rouges. Tout le monde connaît ça, les espadrilles. Et attendez que je regarde dans ma valise parce que je sais plus ce que j'ai pris hier, parce que moi au dernier moment je suis capable de changer, c'est fort probable d'ailleurs. Donc ça c'est mes vestes. Ah oui ok, j'ai pris cette robe là, en fait c'est les robes, je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris cette robe là. Ah ouais, j'ai pris ma jupe en cuir. Ok, ça et un short. Ah ouais d'accord, ok, ok. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais appris grand chose alors. C'est bien. Ah, c'est bien pour une fois, Laurine, tu ne prends pas à 1500 choses. Enfin, attendez, parce que vous savez, à côté, j'ai d'autres sacs que je prends. Parce que voilà. Des serviettes. Une serviette pour la plage, une pour mes cheveux et une pour se doucher. Voilà. J'ai tout. On va pouvoir remettre ça. On va pouvoir mettre ça. Hop. Bah ça non, j'en ai besoin, donc ça sera dans mon sac. Et là on va mettre les chaussures. Donc dans cette belle petite trousse, c'est une trousse blanche normale. Enfin, voilà. Donc qu'est-ce que j'emmène? J'emmène des lingettes démaquillantes, voilà ce que vous savez que j'ai. Donc dans cette belle petite trousse, c'est une trousse blanche normale. Enfin, voilà. Donc qu'est-ce que j'emmène? J'emmène des lingettes démaquillantes, voilà ce que vous savez que j'utilise des lingettes démaquillantes. Celle-là je ne l'ai pas encore testée, donc ça va être l'occasion. Ensuite j'emmène un petit parfum. Donc j'avoue que là il est vraiment petit. Mais ça fait l'affaire je pense pour une semaine, enfin je sais pas, peut-être je vais en prendre un autre. Donc voilà, un petit parfum de chez Glorious, il sent trop bon. Je vous jure, dommage qu'on peut pas vous faire sentir, il sent tellement bon. Ensuite, j'emmène un gommage de chez Yves Rocher à l'abricot, parce que je vais être au soleil, etc. Donc je pense que c'est important que j'ai un gommage. J'avoue que moi vous savez, enfin je suis pas très gommage, très masque, etc. Mais bon, quand il fait beau, etc. J'aime bien quand même avoir la peau hydratée. Surtout que bah l'été, enfin je me maquille pas tant que ça. Parce qu'il fait chaud, etc. Donc bah je préfère avoir la peau hydratée et une belle peau qu'une peau pas belle, voilà. Donc un petit gommage, c'est important. Ensuite, quand même, parce que je sais que je me maquille, hein, voilà, donc une eau micellaire. En petit format, emmenez vraiment des petits formats, enfin tout ce que vous avez en petit, c'est l'occasion pendant les vacances de les emmener. Parce que les grands, enfin je trouve ça tellement pas pratique. Moi je prends tout en miniature. Donc là c'est une eau micellaire de chez Muse Vital. J'ai jamais testé cette eau micellaire, donc ça va être encore l'occasion. Moi c'est l'occasion pour que je teste tout. Ensuite des cotons pour se démaquiller. Ensuite, un déodorant donc de chez Dove. Je vous jure, il sent le concombre. À chaque fois que je dis ça, mes potes ils sont morts de rire. Mais je vous jure, il sent le concombre. Il vient de chez Action si vous voulez le tester. Il sent trop bon, je vous jure. Il est trop bien au concombre. Une brosse à dents, forcément. Elle est verte, elle. Faut trop que j'en ai plus de rose. Je suis déçue.
Elle est pas belle en verte. C'est pas grave, hein, c'est une brosse à dents, Laurine. Ensuite. C'est qui m'envoie des messages? Ensuite, oh, j'ai pris en miniature un petit dentifrice. Trop mignon. Non mais je vous jure, il est trop chou. Peut-être que je vais prendre un deuxième. En fait, je sais pas, je m'en rends pas compte. Même le parfum et tout, enfin, si ça va suffire pour une semaine. Et ensuite, j'ai pris un soin de chez Nocibé, bon, pour les mains et les pieds. Et un lait hydratant de chez Nocibé aussi. Donc pour le corps et le visage. Bon là ça sera juste pour le visage je pense, vu la miniature chose. Oula. Ensuite on continue. Des petites boucles d'oreilles, elles sont trop mignonnes, je sais pas si vous allez les voir. Il y a des cactus et des oiseaux. Voilà, parce que moi je porte beaucoup de boucles d'oreilles, donc parce que j'ai deux trous. Donc voilà, j'en porte celle-là. J'en porte des anneaux. Et je vous jure, hein, moi je pense à tout. Comme ça, si vous faites votre valise en même temps que moi, vous allez rien oublier. C'est pas possible. Ensuite, je prends des petites boules blanches. Elles sont trop belles. Vous verrez pas d'ici, c'est impossible. Mais elles ont des fleurs dessus, elles sont magnifiques. Et pour finir, donc, en plus de l'eau micellaire et des lingettes, j'emmène tout ce que j'ai en miniature pour les finir. Donc ça c'est un démaquillant pour les yeux, waterproof, donc que je vais être dans l'eau, etc. Enfin, j'aurais peut-être du maquillage waterproof. Donc de chez Benefit, donc je l'ai en deux fois. Et ça, je sais que je les ai déjà testés et ils sont juste trop bien. Ensuite, de La Roche-Posay, j'ai un gel moussant. Donc lui, c'est pareil, je l'ai déjà testé, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc il est trop trop bien. Ensuite, ah celui-là. Un gel nettoyant démaquillant, pareil, j'ai déjà testé, donc de chez Nuxe. Il est vraiment trop bien. Et en plus, il sent mais tellement bon, je l'aime trop, c'est pour ça que je suis obligée de l'emmener celui-là par contre. Il sent... Ah, je vous jure, il sent tellement bon. Si vous avez l'occasion de tester et que vous voulez un bon gel démaquillant... Prenez celui à fin de chez Nuxe, ils sont mais merveilleusement bons. Et un soin nettoyant donc de chez SVR. Donc voilà. Profitez-en quand vous partez en vacances pour finir toutes vos miniatures. C'est exactement ce que je fais. Bon, du coup, je finis cette vidéo par terre, super. Cette vidéo c'est du grand n'importe quoi. Je sais même pas comment je vais faire le montage et tout, enfin, c'est un bordel. Du coup, ma valise est terminée, enfin, du moins presque. De toute façon, il faut qu'elle soit terminée ce soir, j'ai pas le choix. Donc, elle est quasiment terminée, là, j'ai bientôt tout fini. De mettre bah, quasiment tout, en fait, il me reste, je crois, une paire de chaussures à mettre, et voilà. Et c'est tout. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça va vous permettre de voir ce que j'emmène, et puis de vous donner des idées pour rien oublier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un mouvement de tête là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas fait. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai des trucs. Putain, c'est trop chiant. Je sais rien ce que j'oublie. C'est ça le problème. Je sais pas ce que j'oublie. I don't know. Restons concentrés. J'en ai marre.